Voici la première promotion des Palmes du civisme. Ces 8 citoyens cannois sont aujourd'hui récompensés pour avoir fait preuve de dévouement pour l'intérêt public. La lutte contre l'incivisme est pour la ville de Cannes un enjeu majeur. Depuis 2014, plus de 38 000 procès-verbaux ont été dressés. L'idée, c'est aussi d'inciter positivement et pas simplement par la répression ou l'interpellation de la communication. Alors, il y a beaucoup de gens qui mériteraient ces palmes du civisme, on en remettra progressivement. On a commencé par une première promotion sur des actes assez récents et représentatifs de la cité, de la ville. Et j'espère que ainsi, progressivement, nous ferons de Cannes un modèle en matière de lutte contre l'incivisme et de renouveau civique. Depuis 3 ans, Alain Eldre, appelé affectueusement Papy Jardin, intervient dans les écoles maternelles et les crèches pour transmettre sa passion de la nature aux jeunes enfants. Pour toutes les personnes récompensées, ce diplôme est une belle surprise. Je suis quand même très flatté d'avoir un petit diplôme, un beau diplôme, pour mon action. Mais ce n'était pas le but. Le but, c'était d'avoir tant de plaisir avec ses enfants. Je ne m'attendais pas à recevoir un diplôme et être honorée pour tous les gestes, faits et gestes que j'ai effectués sur la Boca. Une initiative, la première en France, qui fait de Cannes une ville pionnière en matière de lutte contre l'incivisme. Je tiens à remercier.